parti, c'est la deuxième partie tant attendue. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Théo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors à la différence, aujourd'hui j'ai mis une webcam comme vous pouvez le voir. Enfin je sais pas si vous pouvez le voir malheureusement, on verra ça au montage lors de l'analyse des images. En tout cas les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre aventure sur Minecraft, sur le serveur Europa Park. Et ouais, donc la dernière fois on s'était arrêté, on avait fait Cancan Coaster et Silver Star. On avait un petit peu galéré avec les commandes qu'il avait, mais bon, on avait eu également un souci avec Silver Star qui a été réglé. Mais bon, tout va bien, on a pu rider nos coasters comme il le faut. Alors, donc du coup, on va reprendre. On s'était dit, on s'était mis d'accord, on va aller faire, on va aller dans le quartier islandais. Donc voilà, là on a dernière notre Eurosat national. Cosality malheureusement qui est fermé, qui pour le moment. Et là nous avons Eurosat. Alors, on va reprendre tout de suite là où nous nous en étions arrêtés. Donc le GPS, voilà, je vais cliquer là. Donc on s'était dit, on va faire le quartier islandais et on va tout de suite aller voir notre méga coaster préféré, Bluefire. C'est parti, hop. Alors, par où il faut que je passe? Par ici. Eh bien, c'est parti. On a aussi quelques problèmes. C'est un truc que j'ai remarqué, on n'a pas beaucoup d'audio par rapport à ce qu'il y a dans le parc. D'habitude, le parc de d'Europa Park est bourré d'audio et tout dans le parc et tout. On n'entend que ça quasiment, à part les visiteurs. Mais là, on n'a rien du tout. Rien du tout. On a mis, enfin quasiment rien, on a quand même eu quelques audios, mais Silver Star par exemple, là vous voyez, on n'a rien, on n'a rien. Et malheureusement, et là pareil dans Silver Star, on devait avoir au moins l'audio de la gare, rien du tout, rien du tout. C'est vraiment plat je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique? Légèrement à gauche, par ici. À droite. Alors là on a quoi? Est-ce que je peux passer par là? À droite ici. J'espère que je me suis pas planté. Si je me suis planté. Ok, alors non, ça c'est des bancs. J'essaie d'accélérer un peu, la distance se réduit. Ah, par contre, il y avait quand même des kilomètres, hein, mine de rien. Ils auraient pu faire un peu mieux quand même, mais bon. Donc on va aller voir notre Bluefire national. Alors, légèrement à gauche, oui d'accord. Ah bien, au moins ils ont des GPS, mais je trouve que c'est un petit peu pété par rapport à leur truc. Là. Non. Là, comme ça. Pour le moment, on est bien. On va contourner ici. On va voir si... Là, légèrement à droite. Légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Avant que ce soit là. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Ah, complètement à droite. Merde. Je me suis planté. Légèrement à droite. Là, par ici, au moment légèrement à droite. Ah bah il est là. Ah regardez, on le voit là. Ah non, c'est le Romir là. Le Romir, alors je ne sais pas s'il est ouvert, on le testera peut-être. Là c'est le Romir. Voyons voir. Ta
tac, 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 tac. Est-ce qu'il est ouvert, lui? Ça me paraît bizarre quand même, il n'y a pas, il n'y a personne. En même temps, faut dire que là, en ce moment, il n'y a pas grand monde dans le parc. Est-ce qu'il est ouvert? Euromir. Apparemment, il a l'air d'être ouvert. Bon, on n'est pas venu pour là, pour lui, pour le moment. On est venu pour Blue Fire. Et voilà, aussi, qu'on fera juste après. Donc, on va tout de suite tester. On va aller vers notre méga coaster préféré. Alors, légèrement à gauche, ok. De là, je suis. Ah merde, c'est une voie réservée au petit train. Donc, on repart par là. Alors, légèrement à droite, ok. Donc, on va suivre le contournage ici. Ah oui, ça c'est bien ça. Par là. Alors là, je crois qu'il y a le raft dans le coin. Alors, c'est pas là. Ah ouais, ça si, ça doit être ça. Ok, donc je retourne sur mes pas. Tout droit. Là. J'espère qu'il va pas me replanter. Légèrement à gauche. À droite. Là. Légèrement à droite. Je prends mon temps quand même dessus parce qu'il m'indique le Waze. On va l'appeler comme ça, hein, notre GPS, hein, Waze. Ok, tout droit, tout droit, tout droit, ah, légèrement à gauche, c'est donc, c'est pour ici. C'est, merde. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais quand même pas aller là-dedans. Là-bas. Je vais sortir par là. Ah, mais t'aimerais quand même que... Ah bah voilà, ça y est, je m'y retrouve. C'est un peu compliqué parfois, hein. Parfois, c'est... leur système est un peu pété. Désolé, mais... faut dire ce qu'il est. Alors là, j'ai quoi? Alors, je vais passer par là. Je réduis. Oh, je crois voir quelque chose là-bas. Ça me dit... Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous avez vu. J'ai vu des sortes de fontaines là-bas. Ah, attendez. Et je me suis planté encore. Bon, alors c'est sur le ponton à droite là. Là. Légèrement à droite, par là, je crois. Alors là, en fait, on a dû avoir le raft. Ouais, là, on arrive dans le quartier islandais, ça y est. À gauche. Ah bah voilà! Mais voilà notre Blue Fire! Ça y est, alors on va faire arrêter la destination. Tac. Voilà. Ah merde. Ouais, c'est bon. GPS arrêté. J'ai eu peur. J'ai eu peur à mon Dieu. Alors, notre Blue Fire national. Le voici. Alors. Mais je crois qu'il y a une single rider à un endroit. Elle est où la single rider? Moi je l'avais pas vue. Est-ce que ça serait... Ah, merde, on peut pas aller par là. Je... Est-ce que... Où est-ce que ça serait la single rider?
Je sais pas s'il y a des single rider. Bon, en tout cas, lui il m'a détecté. Il y a moins de visiteurs, un peu plus. Alors, est-ce que c'est par là? Je crois bien que oui. Bien, je vais quand même aller voir ici. Non, il ne faut pas y aller. Ça rejoint la file normale. Donc, rien à voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires si toutefois il y avait une single rider à un moment donné à Blue Fire? Parce que je n'en ai pas connaissance. Sur une représentation sur Minecraft, il y avait une single rider, mais alors je ne sais pas si c'est vraiment réel. Est-ce que... Ouais, il y a bien un truc là pour... single, non, à moins qu'elle est fermée parce qu'il y a personne. C'est bizarre ça quand même. Bon bah tant pis, on va faire avec la file normale, hein, avec la file first row. C'est pas grave. Puis, de toute façon, c'est qu'un avantage, hein, de faire avec la file normale, parce que la file single rider, je vous explique que ça permet en fait de combler les places restantes dans un train. Alors, bah, t'as pas forcément toute la chance d'avoir le rang que tu veux, en fait. Et ça m'est arrivé, j'ai emprunté la file single rider à Concord Coaster. Dans la vraie vie en 2019, et bien au final je pensais mettre moins de temps dans la fille single rider et avoir éventuellement le first row, et ben j'ai tout faux. Donc on est parti, notre Blue Fire il est là, j'ai pris la fille first row, ça je le sais, je le reconnais. Bonjour messieurs dames, est-ce que j'ai raté quelque chose? Oh oh oh, j'ai un freeze. C'est bon. Merde. Voilà. Ça, c'est bon. Et le train va dispatcher dans peu de temps. Donc, hop. F1. C'est pas... ça, c'est magnifique. Ça, les armées qui se ferment comme dans la vraie vie, ça, c'est magnifique. Et on a l'audio du... Mais punaise, on n'a pas l'audio. C'est bizarre ça quand même. On n'a pas l'audio, mais ça c'est fou ça. Il y a de l'audio, hein, je sais qu'il y a de l'audio. Tous les joueurs qui ont été sur cette map et qui ont fait Blue Fire, ils ont de l'audio, ça je le sais. Merde. Mais là, rien du tout, mais j'ai juste les effets, quoi. Je sais pas si vous les entendez. Ok, c'est parti, le launch. La première montée, hop, 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 hop. Attention, le loop. Wouhou! Ouais, on va bloquer le turn. Et les freins, qui freinent même pas en plus, un peu pété leur truc. Oui, j'ai beaucoup de fois nous péter. Non, mais j'ai du respect pour tous ceux qui ont fait la map, hein, bien évidemment. Après, on peut, pour Minecraft, c'est déjà compliqué dans Minecraft de faire des trucs aussi réalistes, mais là, c'est carrément mission impossible. Donc, non, franchement, je les respecte. Là, Horse Offline Roll. Et voilà, c'est fini. Il faut se rendre à l'évidence. C'est déjà compliqué de faire un truc pareil dans Minecraft. Alors, je vais quand même pas les clasher gratuitement sur des petits trucs. Donc là, normalement, on peut sortir maintenant. C'est une double gare. Merde. Voilà. Là, voilà. Je m'en mets en F1. Voilà. Ah,
j'ai fait un screenshot. Oh là. Mais je sais qu'il y avait une single rider à No Fire. Je l'ai vu en plus. J'ai vu des gens arriver de l'autre côté de la gare, de l'autre côté, là où j'étais dans la pile first row. Et je le sais. Alors, ensuite, on a fait Blue Fire. Maintenant, on va à Islande. Soit c'est Vodan. Merde. J'ai un fail. Alors, bah, what? Il peut me faire le GPS quand faut. Allez, non mais. Il est sérieux? C'est quoi ce bug? Attendez. C'est pas ça que je voulais faire. Rulantica animation. Moi j'ai dû désactiver les musiques et je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, il faudrait que je revoie. Alors ensuite, j'aimerais bien revoir autour. Blue Fire. Mais. What? Mon oreille. À moins qu'il est fermé quand même. Pourquoi il veut pas avec attends, arrêtez la destination. Je vais recommencer. Bah, il serait fermé. Attends. Erreur de saisie. Mais pourquoi il veut pas avec pourquoi je peux pas. Alors attends. Il y a un blâme là. Pourquoi il veut pas me laisser. Pourquoi il veut pas m'activer le GPS pour Vodan. Ça c'est bizarre. C'est pas fermé quand même. Bon, à quoi ça sert? J'ai mis vers aller en mode open. Alors, apparemment, il y a deux filles. J'espère que je me plante pas. Alors, attends. Là, je crois qu'il y a une single rider. Ça, c'est sûr. Une single rider. Je crois même que c'est celle-là. Je vais être elle, la single rider. Ou pas, à mon avis, ou pas. Bah voilà, pas passé, forcément c'est un accès réservé. Oula, c'est quoi cet espace sombre là? Je me suis vu que c'était comme ça, moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai fait un putain de détour qui ne mène à rien du tout.
pas grand chose. On va bien voir vers où ça va nous donner cette ville. J'ai l'impression qu'on s'est un peu paumé. Qu'est-ce que c'est que ça? M'emmène là. Ah bah voilà, ça c'est une file. C'est bien une file Signal Rider. Voilà. Et donc là déjà je suis en F1, donc c'est déjà pas mal. Vérifier un truc. Ah. Attendez. Alors, tac. Je vais faire un truc 2 secondes. Voilà. Alors, non, je vais. Voilà. On verra ça après. Voilà. J'ai eu quelques petits faits, mais bon, là pour le moment, on monte le coco, le coaster. Attention, c'est un moulin quand même qui est très nerveux. Hein. C'est vrai que. Mais alors, niveau édition aussi. Hein. Attention, wouhou! Ah bah c'est pareil, hein. C'est pareil dans Minecraft, hein, tu me diras. Allez, il est aussi nerveux, mais alors par contre, je n'ai pas d'audio. Ça tombe bien d'ailleurs parce que j'ai pas envie de me défoncer les oreilles. De coaster quand même, hein. C'est, faut dire ce qu'il est. Dans la vraie vie, comme dans le Minecraft, c'est un bon pour de coaster. Je me suis même pas mis en F1, moi qui est con. Ah là, c'est France Air Track. Alors, je vais régler un petit truc audio je pense qu'on va les refaire Blue Fire après. Parce que je pense que j'ai dû désactiver quelque chose sans vouloir. Donc là forcément on va s'arrêter, et oui. Ce qui est bon, c'est que j'ai réussi à faire Eurosat version automatisée comme dans la vraie vie, mais pas aussi bien que ça. Hein. Là on voit pas les rails du tout. Hein. Et puis les trains aussi, bonjour. Et voilà. On va sortir d'ici rapidement. Non, c'est pas là. C'est là. Bonjour. Je vais pas me moquer. Hein. Je vais pas faire de remarques sur ce genre de posture. Alors, j'ai réglé un truc de gros. J'étais sur internet, j'étais en train de voir un article. Alors. On va retourner à notre Blue Fire qui est là-bas. Voilà.
Ah bah là, on a la file... Je crois que j'ai trouvé la file Single Rider. Ou pas. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose quand même. Hein. Sauf que c'est barricadé. Alors attendez. On va reprendre. Et alors là, on a quoi? Ah ben là, on peut pas passer. On ne peut pas passer. Là. Pareil. Là non plus. C'est bizarre, ça, tous ces chemins. Et là, on peut pas passer non plus. Oh, mais je me suis fait gauler. Alors, attendez. Ah, voilà! Revoilà notre musique nationale. Ah oui, d'accord. Attends. Alors, je vais remettre le GPS, je vais choisir Islande, Blue Fire, et là, légèrement à droite. Ah oui, alors là, je suis... Bon, faut que je revienne sur mes pas de toute façon. Alors, on y retourne. Je vais faire une coupure pour vous éviter de vous faire tout ça. Je vais faire une coupure. Bon, c'est bon les amis, c'est bon. J'ai trouvé l'entrée de notre Blue Fire. Mais alors, j'aimerais bien trouver cette Single Rider. Franchement, ça me perturbe. Ah bah, elle est là. La voilà, notre Single. Bah, ça m'a l'air de ça. Ah non, même pas. Pour... Mais il y a une Single Rider, j'en suis sûr. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a une Single Rider à sûr et certain. Mais alors, je vais poser la question. Par où il faudrait passer pour avoir la Single de Blue Fire? Si il en a une, oui, il me semble que oui. Allez, faut que je retourne dans le jeu. Et je reviens. Voilà. Alors. Ah d'accord, il n'y en a pas. Est-ce que c'est la file normale? Attends.
s'ouvre. Alors, je suis de retour les amis, alors j'ai quelqu'un qui m'a conseillé. Alors, c'est là. Elle n'est pas ouverte, je... Si c'est la single, alors elle n'est pas ouverte, vu comme il n'y a personne. Mais j'ai été à EP en 2019 et je suis sûr d'en avoir vu une. En tout cas, merci à la personne qui est là. Bon, tant qu'on va le faire en film normal. Ah, il y a quelque chose ici. Non, il n'y a rien du tout. Ah. Et ça serait où ? Les abonnés et moi on découvre. La vieille, je pense qu'elle est pas ouverte. Hein. Bon, merci quand même. À mon avis, je pense qu'elle est pas ouverte parce qu'il n'y a pas grand monde à l'attraction. Ouais, là. Même là, à mon avis, elle doit être là. À mon avis, elle doit être là. Mais voilà, sûrement qu'elle n'est pas ouverte. C'est sûr et certain, je pense qu'elle est. Elle ne doit pas être ouverte, à mon avis. Bon, tant pis, on va aller faire un film normal. On a l'audio, c'est déjà pas mal. Donc, on va le refaire en film normal. qu'on aura vraiment tous les audios. Et on est déjà à combien de... Ah, quand même, déjà 35 minutes. On va peut-être se faire encore une attraction, on va faire un petit peu plus long aujourd'hui, je pense. Le boss slay, par exemple. On va faire le boss slay. Ou Poseidon, là, ça dépend de laquelle attraction est la plus proche. On va bien voir, donc on va se mettre en first row, comme la dernière, comme tout à l'heure. En first row. Voilà. Tac. Et là, c'est parti. Et là, je me mets en F1 et je me tais. Vraiment la taille et tout, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. Allez, je ne dis plus rien.
décalage quand même de la musique. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va au Tether, on passe au Godal, c'est très bien. Un petit coup de frein, ça freine même pas, ça freine dans la vraie vie, je suis désolé. Ça c'est le 0-0 là. Corfu. Esther. Tyrol. La élite. Et la différence, c'est que dans la vraie vie, on a l'audio que en indoor. Et là, ben, forcément, mais comme ils connaissent l'audio en air. En indoor, bah, en extérieur, bah voilà. Ils l'ont fait. Par ici. J'ai pas pensé réaliste moi sur un Minecraft. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Hein? C'est quoi ce truc? Il y a un peu qui m'étonne dans ce parc, désolé. Bon, allez, on va aller voir une autre attraction. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'Irlande, donc... On a quai scandinave, pure rafting, un lien à la description de cette attraction, Windjammer, ah ben il est fermé, de toute façon. Ah, elle ferme, elle est rafting aussi, tiens, il est fermé. Islande, qu'est-ce qu'on a? Blue Fire, Vodan Timber Coaster, et là, par contre, je ne vois rien. Pourquoi j'ai un problème de... Monorail. Ouais bon, ça, d'accord, ça marche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, par contre, j'ai des trucs... Il y a encore des choses à revoir, hein, messieurs dames. Hein. Je vais pas dire, mais... Spawn. Ah bah là, j'ai clairement... Bon. Bon, ok, c'est bon les amis, alors je suis revenu un peu sur mes pas du coup vers Blue Fire et au final en chemin j'ai trouvé Euromir, donc du coup voilà j'ai arrêté GPS qui m'indiquait d'aller vers Blue Fire et donc du coup on va faire Euromir maintenant avant de terminer cette vidéo. On a refait un petit peu plus de traction aujourd'hui, donc on va aller faire tout de suite cet Euromir que j'ai pu faire heureusement à la fin de journée. Station spatiale. Donc là, Euromir.
on y va. Forcément, ils ont ouvert la petite file d'attente. On va mettre. Voilà. Et je vous dis, tout est représenté vraiment dans, comme dans la vraie vie. Hein. On avait un espace comme ça, une dehors sombre, et ben là on l'a. Hein. Hop. Et on a la musique. Magnifique, ça c'était pas désactivé, heureusement. Et nous, par contre, on va se mettre au first row, mais ça ne sera pas tout seulement. Encore petit qui veut bien, voilà. Et là, je me mets en F1, le dispatch, c'est dans quelques secondes. Voilà. C'est parti. Fermeture des harnais. C'est bon. Русская космическая станция МИР 11 лет находится в космосе 11 лет. А, ah, d'accord. C'est vrai que ça tourne ce truc. La musique du livre, qui est magnifique, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que je veux pas pendant le lift, le premier wagon ne tourne pas. Mais je crois que c'est fait exprès pour le lift en fait. Parce que les lifts aspirants comme ça, c'est, voilà, c'est un cylindre qui tourne. Et donc les lames sur les côtés du cylindre, elles touchent les wagons. Alors certainement pour éviter d'abîmer le matériel. Certainement ça doit toucher le premier wagon. Il y a une lamelle du cylindre qui doit toucher le premier wagon. Et donc du coup, bah, pour éviter que ça abîme le matériel, ouais bah j'ai compris le truc. Ah bah non, là ça tourne. Ah bah j'ai rien dit. Oh mais c'était une hypothèse. Ah bah non, bah, ça tourne. Alors souvent parce que on va être dans la vraie vie, c'est comme ça. La 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 la. La 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 la. Et ça tourne encore, punaise. Désolé si vous avez envie de vomir, je sais pour rien. Hein. Bon, on voit tout le parc quand même, c'est magnifique. Il y en a un qui est en train de charger quand même. Mais c'est vrai que d'en haut, avoir de l'Euromir comme ça d'en haut, c'est magnifique. Ça, je ne vais pas vous mentir. Quand vous tournez comme ça sur vous-même et que vous avez tout l'ensemble du parc en vue, c'est super. Ça va pas tarder à descendre normalement. Mais moi je connais pas les sons d'ambiance de la vraie vie, c'est là. Ça c'est un peu. Parc Astérix Scrat, ils l'ont fait, le serveur du parc Astérix, mais là ils l'ont pas fait, c'est dommage. Bon, après tout, on va pas leur demander trop, hein. Déjà ça c'est déjà beaucoup, alors bah, déjà tout le parc là c'est déjà beaucoup, tout ce qu'ils ont déjà fait dessus, donc ah bah là c'est fini. Alors, par contre, moi je vais aller en reverse, c'est génial. Ouais, je vais y aller en reverse moi. Hein. C'est magnifique. Attention. Ouais, quelle sensation de fou. Ouais. Et là ça tourne. Et là on se remet en on-ride. En front world. Voilà, parfait. Airtime.
contre, il a un peu mal à suivre, moi. Oula, ça frise. Désolé, j'ai un peu de mal à suivre avec ma souris. Hein. C'est bon. Et écoutez les amis, je pense qu'après ça, eh ben on va s'arrêter là pour cette vidéo, cette deuxième partie qui malheureusement a eu quelques problèmes. Attendez. Voilà. Je vais me mettre avec. Oh pire, tant pis. Voilà, parfait. Et les amis, écoutez, ben on va s'arrêter là pour cette deuxième partie devant le Romir qui est quand même impressionnant. Faut dire ce qu'il est. Oh, il y a un train qui passe. Et bien écoutez les amis, c'était quand même une belle partie encore une fois. Et j'ai vraiment hâte de faire la troisième partie de cette vidéo, de cette découverte du serveur Europa Park sur Minecraft. Et les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Minecraft, sur Machine Gaming. Et je vous dis, ciao, ciao, bye bye! Et portez-vous bien sur des couverts, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous protéger contre le Covid. Vaccin, hein. N'oubliez pas ça.